Vous croyez qu'on a déjà oublié, et puis un nouveau contrat, un nouvel album, un guitariste. Et les ports repartent sur la ligne pour un coup de note. Thank you.
1976, au début du mouvement punk anglais, Graham Parker apparaît avec une musique bien plus étendue, héritée directement du rock et du rhythm and blues. 6 ans plus tard, il a choisi les États-Unis pour enregistrer, s'est séparé des Ramones et repart sur la route avec de nouveaux musiciens. Je verrai dans le moi je crois, mais il est venu nous parler un peu de tout ça et nous montrer en exclusivité cette toute nouvelle vidéo. Graham Parker. Graham Parker. Thank you.
ce tour, je vais essayer de vous présenter un petit disque en 45 secondes par tour. D'abord, Bernie Lyon. Bernie Lyon, c'est un chanteur particulier qui fait briller, à l'anglais pour les trois premiers français qui fait briller, c'est pas mal. On le garde. Ensuite, à 25 cm, de Rodez, c'est General Rock. Ils font deux Capini, et en plus, c'est la négative de l'émission, mais c'est côté bouchon sur la recette, tous les après-midi. Deuxièmement, il s'appelle Rocky Chignol, il n'a pas une voix, il n'a pas été à l'école, et lui, il a fait un disque, lui aussi, il a fait une émission sur Radio 7 tous après-midi, de 17h30 à 19h30. Ça s'appelle Il n'y a pas de désastre, c'est comme ça. Voilà ce que j'avais à vous proposer dans les 40 secondes, parce que je suis arrivé. On saisit Jeremy Rock, c'est l'indicatif de laisser le photo bouchon sur Radio 7, 13h30, 15h30, et puis là, Rocky Chignol. Ah non, ah, ah. Salut les rois, salut les blancs, salut les belles, salut tout le monde. Bon, voilà Kira qui me trouve dans le poste. Je vais vous présenter un album de bande dessinée, Faut qu'on arrive. C'est une histoire ultra-zéro dans l'histoire de la banlieue, etc. Avec du sexe, de la violence, des bébillettes, parmi du rock'n'roll, et dans tous les ingrédients de service. Alors pour les chevaux, quand il y a tout le monde qui se bat, et là, je sais plus que je dis, mais j'ai envie qu'on l'album Ritou. Et le deuxième album de Kira, qui s'appelle Kira Chope les Boules, qui va sortir en mai bientôt, et aux imageries d'association, en format démocratique et populaire, 25 balles. Ça, c'était une meilleure démonstration pour écouter les disques qui sont aujourd'hui. Donc, si vous avez un moment délé et triste, depuis le son de temps, vous pouvez installer quelques bons disques. Par exemple, les Flash Fox, la première époque. C'est le troisième album des Dex, qui est la meilleure à ce jour. Et voilà. Dex, je pense. C'est du rock'n'roll, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ceux qui savent ce que ça veut dire. Bonjour, amis du rock'n'roll, bonjour. Bah, c'est vrai, ça va d'abord, vous avez fait pour vous, il y a des tonnes de pneus sur les manettes présentes. Carl Perkins, une chanson une traite du 25 cm de Chris Evans. C'est du rockabilly et en français, super, ne ratez pas non plus. Kodiak Colorado, c'est Gepard qui vous interprète Best Fox, la 47 tour Cry. En attendant le prochain 33 tours, qui sera super rock aussi. Vous baladez les mecs, ne ratez pas, il y a des traces de pneus sur les manettes. Sur Carbon 14, 97 fois de mégahertz, le mercredi et les samedis de 13h à 17h et le mercredi de 15h, de 11h à 15h, pardon, moi, on pourrait jouer son demi-mort. Le rock and roll dans le bruit, qui conclura en regardant en face de Oda Oda. Alors je vais vous demander de vous serez, vous allez sauter, hein, et quand on conclura le bruit rocker, je crois que vous avez bien réalisé la vie. Thank you.
Thank you.
Thank you.